Eh bien, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce soir, nouvelle session ou retour sur Satisfactory Dead 4. Ils sont peut-être un peu forts. On reprend Satisfactory. Ça fait un moment. La musique qui m'est restée en tête. Donc là, c'est la vidéo d'annonce de Evil Dead 4, donc avec les nouveautés. Et donc, on va commencer un nouvel épisode donc sur cette Evil Dead 4. On va découvrir les nouveautés petit à petit. On va commencer un petit peu. On a pris un petit peu d'avance pour réparer les petits bugs. Et on va reprendre ça tout de suite. Hop, je reviens. Tac. Et bonsoir Vold. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui. Bravo, 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 bravo. Hop. Voilà, pour 2 minutes, c'est bon, on a tout fait. ouais, pour 2 minutes pour imaginer tout ce qu'on a à faire. Voilà. Pour comprendre ton fichier Excel. 3 km de long. De la configuration de notre base. Bon. Vas-y. Ouvre les machines. Quelle machine? Quoi? Où? Pour des trucs à découvrir, comme ça par exemple. Mais y'a rien à découvrir. Ah si. Ah bon? Sérieux? Oui. Où ça? Dans... Hop. Organisation. Panneau de contrôle des lumières. Ah, les lumières sont là. T'as des tickets? Ils sont dans la première caisse à côté de toi. Et ben on va tester ça tout de suite. Alors, éclairage d'intérieur. Je le mets dans mon panier. Mm-hmm. Ah! Alors j'ai un peu merdé. Faut mieux que tu mettes. Clique directement sur le petit. Non, en fait. Ouais, enfin, repense à organisation. Comment on regarde? Un retour, c'est là. Ah, okay. Ah, yeah! Ok. Je viens de comprendre. Je fais rarement des achats sur internet. Ah, il y a une échelle aussi. Mmh. Mon panier coûte combien? 15, prends ça. Tout acheté. Et sinon, je crois que c'est bon. Mais j'ai déjà payé. Je regarde quand même. Ah oui, après, c'est des trucs que sinon. Okay. Donc, comment ça marche? Voilà. Ces petites lumières. Mmh, et donc quoi? On a ce qu'il faut pour le faire. Oui, je pense qu'on a ce qu'il faut. Tac. Déjà, on va faire les deux éléments déjà pour. Enfin, plusieurs. Pour expliquer. On va le chercher déjà où c'est. D'organisation. Bon. D'organisation. Alors, déjà, il y a une échelle. C'est, je crois que c'était. Ça existe depuis un petit moment, l'échelle. Pas celle-là, non. Par contre, elle était souvent sur les. Sur les machines, sur les coffres. Ah, ils avaient rajouté l'animation. Il y en a une ici, justement. Ils avaient rajouté l'animation. Dans une mise à jour qu'on n'a pas faite. Une intermise mise à jour. Donc là, ils ont rajouté visiblement donc, du coup une échelle. Mais sinon, il y en avait déjà partout. Là, il y en a une. Ouais. Le cristal de quartz, il me faut. Oh mince, on l'a plus. Je sais pas où c'est. Cristal de quartz. C'est là. Hop. Je vais sauvegarder. Attends, 5 secondes. Ça sauvegarde. Hop. Donc, un lampadaire. T'en fais deux pour la démo. T'en fais deux. Côte à côte, hop. Et tu fais le truc de contrôle. Attends, je fais un plafonnier aussi. Oh la vache, c'est énorme ce truc. Ils sont déconnés. Un pied sur le terrain voisin. Bah oui, c'est en pente, monsieur. Ça marche pas quand c'est en pente. Ah, mais même... oui, là... pourquoi ça marche pas, hein? Voilà... Ok... Ah oui, non, c'est normal, c'est parce qu'il prend beaucoup de place, le... Le... gros bâtiment, là. C'est-à-dire pour ça que le plafond est si haut. Pour la fusée, la place de la fusée. Ouais, non, c'est pas ça, c'est que... Faudra réfléchir à l'éclairage sur des murs... Ouais. On a mais bon, une tour. Oula, une tour. Ah oui, une tour. Là, c'est pas du tout une tour, c'est un projecteur.
Ah oui. Ok. Ok, donc c'est pour l'extérieur, ça c'est clairement. Projecteur mural. On va le mettre à côté des autres. Ah oui, c'est pas tout petit non plus. Oui, mais c'est ce genre de truc qu'on va peut-être utiliser quand il n'y a pas le choix de mettre un plafion. Et le panneau de contrôle que tu voulais fournir. Voilà. C'est pareil des deux côtés. C'est pareil des deux côtés. Elle est là. Donc j'imagine qu'il y a une entrée et une sortie. Bon, après il y a une petite icône lumière, donc... J'imagine que les lumières les branchent dessus et on branche le courant de l'autre côté. Ouais. Plus ou moins, oui. Ça me paraît logique. Faut savoir, c'est que le panneau de contrôle est exactement le même que n'importe quel panneau de contrôle d'un lampadaire que tu ouvres. Si tu ouvres le panneau de contrôle, tu vois là comment l'affichage il est. Si tu ouvres un lampadaire, c'est exactement le même affichage. Sauf que lui, il peut, tu changes sur plusieurs en même temps, c'est ça? Voilà. Sauf que... c'est la subtilité, c'est que tu peux pas... attends, hop, je prends le câble là, dans le... Hop. Tu peux pas brancher... directement sur... tu fasses des poteaux, t'as pas le choix. Ah, tu peux pas brancher entre eux? Eh non. Si, regarde. Ah, comme ça, t'en essaye. C'est fait. Et du coup, là, je diminue les deux. Ouais. Ah ouais. Oh non, non, ok, bon, c'est moi qui... Ah bah j'essaye, hein. Donc du coup, on peut gérer l'intensité lumineuse. On peut gérer la couleur, bon ça c'est... Évidemment, oh la vache. Ah, ça pique. Ah non, d'accord, on peut gérer, ok. Tu sélectionnes et tu désactives. Ça s'allume uniquement la nuit, j'imagine, le mode nuit. Ah oui. Ouais, faut appuyer dessus, ok. Oui. Je suis en train de connecter tous les... Voilà. Ils sont tous connectés sur ton... On va attendre la nuit pour voir ce que ça donne sur cela. Donc ils ont ajouté un petit halo de lumière dans tes lampadaires bleus. Donc couleur, intensité... Mode nuit, donc il s'allume automatiquement la nuit, j'imagine. Oui. J'ai vu d'ailleurs dans tous les... Quand j'avais fait le tour des raffineries et des constructeurs, on peut maintenant copier les paramètres. Pour les couleurs. Ouais. Tu peux même mettre une couleur bien spécifique. Quand tu cliques sur la couleur, tu peux mettre... Si je clique sur jaune, on peut choisir... Un RGB plus précis. Non, c'est pas du RGB... Enfin, tu m'as compris. Oui, voilà, je sais pas les combien de rouges, combien de verts, combien de bleus. Ouais, c'est deux. Je sais pas. C'est l'autre. C'est pas de l'exa parce que du coup, c'est pas écrit. On va demander tes Twitter. tes Twitchers. Oui. L'intensité, enfin. Le contraste et la luminosité, la couleur, on va dire. Ok. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Bon bah ça sera beaucoup de l'eau j'imagine pour s'amuser à éclairer. La nuit de quoi tombe ou... Pas encore. Bon ça va s'allumer tout à l'heure de toute façon. Je les ai mis en mode nuit donc non. Calme-toi. Je sauvegarde pour l'instant. On a toujours le Fanny Fire en fait. Oui. Je sais pas pourquoi il aurait retiré. Mais toi tu prends pas de dégâts, il y a que moi qui prends de dégâts. Ok. Donc, aïe, mais eux. Ah déjà, je suis resté dans le menu. Pour illustrer, c'est pour illustrer. Le Caterium, on a du coup la tyrolienne. Donc là, elle nous était présentée pendant le... 5 minutes de recherche, j'aurais dû lancer ça avant. Elle nous était présentée pendant les vidéos, c'est pour se balader sur les câbles électriques. Mm-hmm. On aura c'est ça marrant. Dans 5 minutes. D'ailleurs, il n'y a pas de nouveauté ailleurs, hein. c'est deux nouveautés dans le Caterium. Je vérifie quand même. Et l'interrupteur classique hein, pour connecter ou déconnecter deux réseaux. À voir maintenant s'il y a un système de fusible de surcharge ou de. Est-ce qu'il coupe automatiquement si une partie consomme trop? Je pense pas. Je suis pas sûr qu'ils aient poussé le truc à.
À voir. Mmh. Bah, du coup, vu l'animation, quand tu l'ouvres, enfin, tu verras, t'as l'impression qu'il y a des subtilités, un fusil ou... Ouais, bah, étudier, parce que si après on pourra gérer électriquement, ça faire un bâtiment où tous les circuits vont venir de façon séparée. C'est ça, mais j'y pensais déjà. T'es genre déconnecté. S'il y a un surplus d'électricité, ouais, pas surplus, mais je veux dire un manque d'électricité, hop, on déconnecte tout un bâtiment. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Et chaque bâtiment a son propre système. Ouais, ça... mais du coup, pour l'instant, on ne peut pas encore faire ce genre de micro-gestion, aussi archaïque que ce soit-il. Non, parce qu'on a des problèmes de production d'électricité. Alors, pour l'instant, notre centrale nucléaire fonctionne encore parce qu'elle a encore assez de ressources pour tourner, mais la ressource n'est plus produite vu que les plans ont changé. Donc ça sera fait partie des réparations à faire, d'ailleurs. Il faudra redécouvrir et redébloquer le nucléaire. Et je propose de faire ça, justement. Hop. Donc, du coup, en attendant qu'il finisse sa recherche, je voudrais fabriquer le premier nouveau producteur qui est le package. Tu peux pas lancer un jalon, vu qu'il faut du temps pour le faire. Non, c'est rapide, le jalon. C'est le direct. Il déballe direct. T'es sûr? Oui. Normalement, la machine s'envole et puis il revient. Oui. Tu peux pas en lancer d'autres après. Mais oui. Le temps qu'on parle de ce qu'il y a à faire sur ça. Et de toute façon, on les fera un par un. Il n'y a pas de. Il n'y aura pas tellement de choses à faire. Si c'est 5 minutes pour voler, on... je sais pas c'est combien de temps après. Bref, le packager. Pour remplacer les plans de raffinerie qui créent du packaging de pétrole, ce qu'on utilise actuellement pour voler d'ailleurs. Les carburants conditionnés, le conditionnement, qui était avant fait en raffinerie, qui fonctionne toujours pour l'instant, donc je suis étonné, alors que le plan n'existe plus. Pétrole plus... je sais plus comment ça s'appelait, les récipients vides. Là. Les bidons vides, tout simplement, des bidons. Un bidon du pétrole liquide faisait du pétrole conditionné, du carburant plutôt, et ça est remplacé maintenant par cette machine, qui permet de conditionner et déconditionner. On a le retour du pétrole d'ailleurs, conditionné. Ah, on peut faire du... intéressant. On pourra résoudre notre problème. Ah oui, non mais c'est... Ouais, par contre on va perdre... le fait qu'on a un surplus de pétrole lourd, c'était du résidu de pétrole lourd et qu'on ne sait pas quoi en faire et qu'on fait un stockage. Et qu'on vide de temps en temps. Là, on pourrait s'amuser à perdre des bidons vides, conditionner ce pétrole lourd et l'envoyer dans la broyeuse. C'est ce que j'ai dit en stream. Oui. Mais en fait, là, c'est moins chiant parce que le résidu de pétrole lourd est beaucoup plus lent à remplir. Par rapport à notre surplus d'eau qu'on sait pas quoi en faire. Donc ça pourrait être étudié de faire ça d'ailleurs. Je vois qu'on peut maintenant stocker les solutions d'alumine. Et l'acide sulfurique. Je sais pas s'il y a un grand intérêt. L'acide sulfurique servait à la production des éléments pour le nucléaire. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y en a plus maintenant? De toute façon on a déjà un tuyau qui va tout là-bas. Ok pour celui-ci. C'est fini? Ah non, c'est vrai que maintenant ils ont rajouté une alerte. J'ai vu dans la news. Maintenant, MAM fait une alerte quand il a fini. Sauvegarde. C'est vrai qu'on n'a pas d'heure pour savoir combien de temps il est fermé. Donc sur la map, c'est écrit. Nouvelle notification quand MAM a fini de faire une recherche. Tyrolienne débloquée. Je lance le suivant en attendant. Trop cher. Ah! Il me faut des poutres en acier. Je crois qu'on en a. Plutonium.
Ok, donc du coup, c'est où qu'on va fabriquer? C'est là-dedans, j'imagine? Tyrolienne? Ça. Il faut fabriquer des repousses Xeno. Ok. Je te fais la tienne en même temps. Ah, tu as déjà les composants? Bah, pour repousse Xeno, oui. Et pour la tyrolienne, oui, c'est bon. Moi, j'ai les composants. Oui, je stocke plein de merde sur moi. Oh, je suis parti le chercher. Je te pose la tienne par terre. Hop. Ok. Peut-être pas remplacer mon arme. C'est... Ah oui, d'accord. Deux trucs de bouffe. Alors, comment ça marche? Bon, toi, tu as déjà essayé, hein? Non. Faire quoi? Faut cliquer dessus? Ah, faut cliquer dessus. Ok. Je peux le faire d'en bas? Ah ouais, ok. Un coup de main à prendre, hein, ça pourrait changer les trucs. Hein. Mais du coup, faut rester cliqué dessus? Mmh. Ok. Et si je me paye un truc entre deux? Ça fait un petit saut, en fait. Si tu lâches, ça fait un petit saut, tu peux enchaîner. Ah oui, non, bah, par contre, c'est... On n'est pas un counter. Je sais pas si c'est encore possible maintenant. Je suis au-dessus de toi. J'ai la tête. Ouais, je vois ça, du coup je la viens à moitié. Ok, et on peut monter? Oui. Ok, donc gravité, on s'en fout quoi. C'est pas grave, mais tu vois comment ça fonctionne, c'est électrique. Pas par le coup de main. Hein. Il y a un mouvement perpétuel, voyons. Je sais pas. En fait, c'est le champ magnétique produit par. C'est pas facile à utiliser, hein. Après, je suis pas doué, mais bon, c'est pas une raison. Oh putain. Oh. Ouais, ça va pas être facile pour moi. Bon, après, il y a une grande utilité. Par contre, faire des petits jeux là-dessus, des petites courses. Ouais, en même temps, si t'appuies tout le temps sur la touche, tu te rates pas. Hein. Ah bon? Ça marche si tu t'acharnes? Ouais. Tout le temps dessus. Oui. C'est un peu chiant, je pense. Mmh. Qui dit le monsieur? Ok. Donc. Toi, tu vas prendre de la place. Ouh, qu'est-ce qu'il faut? Unité de contrôle radio. Ici. Hop là. Deuxième nouveau bâtiment de production. Le blender, du coup. Le mélangeur. Ah non, il me manque aussi les nouvelles ressources. Tu veux pas le faire du coup? Toc, tiens. Je suis sûr d'en commencer à la fabriquer. Je l'ai fait juste avant, d'ailleurs je vais faire un petit tour pour montrer. C'est tout con. Le mélangeur, attends, je peux construire, voilà. C'est limité, dis donc. Ça prend de la place. D'ailleurs, j'ai même pas regardé comment ça marchait, mais l'autre, il prend un fluide et un solide, il ressort un fluide et un solide. Lui, il prend deux fluides. Deux fluides et deux solides, il ressort un fluide et un solide. C'est ça. Attends, il est en train de sortir un même fluide qui est rentré, non? C'est jaune et jaune. Attends, je sauvegarde. Donc on clique dessus. Alors, les... Ah, c'est ça qui fabrique les batteries? Ou... Ok, non. Si. Si. Ok, les batteries vont être fabriquées ici, c'est pour ça que l'étage des batteries est tombé en panne, sans plan. Ok. De l'acide sulfurique, de la solution d'alumine, on a déjà. Et une nouveauté, boîtier en aluminium, et ça ressort de l'eau. On aura des problèmes de stockage d'eau. Ok, et sinon, ça va servir aussi pour le nucléaire. Cellule d'uranium, donc ça sera pas fabriqué ici. Clairement pas.
Donc faudra faire un nouveau bâtiment juste pour les batteries. Pour l'instant. Ok. Un nouveau bâtiment, donc du coup, pour le packaging... oui, j'ai vu, bah. Pour le packaging du carburant conditionné, du turbo-carburant conditionné. Le reste, je sais pas si encore ce sera utile, pour l'instant. Peut-être résidu pour le détruire. Et un nouveau bâtiment pour... non, pas pour le nucléaire, parce qu'il sera fait sur place. Pour les batteries. Ok. Mam a terminé le deuxième recherche, interrupteur, donc du coup on a fini le quatrième à 100%. C'est ça. L'interrupteur. Alors j'imagine que c'est dans l'alimentation. Il faut un contrôleur d'IA. J'hésite. Où sont nos contrôleurs d'IA? J'ai même pas regardé. Ce qu'il fallait comme ressource. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait un bruit bizarre. Les lampadaires, c'est à peu près. Ouais, c'est toute la même ressource. Je me suis pas mis en. Ça va faire du petit bruit Discord. Je me suis pas mis en ne pas déranger. Voilà. Tour d'éclairage, ouais, c'est toute la même ressource, donc ça à chaque fois c'est du quartz, des plaques de cuivre et des poutres en béton. Ok, et pas de contrôle d'ailleurs, c'est... Ouais. Pas des ressources chiantes. Puis il y a quand même un contrôleur d'IA, enfin un interrupteur, c'est original. Un extincteur. Ok. Enfin non, derrière. Ah, j'enlève le mode nuit, sinon on le verra pas, voilà. Vas-y. C'est allumé pour toi? Ah oui, non, non, je... Alors la logique voudrait que ça s'allume, mais... Attends. C'est pas fait pour... Attends. Je pense pas. J'ai envie de tenter autre chose du coup. Ouais, je veux absolument que ce soit que la lumière. Ouais. Ça marche avec les poteaux, c'est ça qui est marrant. C'est si tu mets un poteau, tu connectes la lumière dessus. Oui, c'était. Oui, c'est plus ça. Oui, du coup, ouais, c'est pour ça. C'est... Ok. Voilà. Donc là c'est allumé. C'est éteint. Allumé. Par contre, éteindre rallume. Comment ça garde? Non, j'ai... Et si on éteint et on modifie en blanc et je rallume? Non, non, ça prend en compte. Réseau électrique A, réseau électrique B. Ça c'est bon, c'est noté sur les. Sur pour distinguer le A et B. Bah c'est marrant, mais. Ça sert à quoi ça? Interrupteur. Ah, on peut mettre des noms, ok. Pour que ça visible. Est-ce que tu peux mettre un nom s'il te plaît, juste pour voir, parce que moi je peux pas. Test. Ah. Ok. Est-ce que tu peux mettre toi, marche arrêt là-haut là? Tu peux changer? Dire à côté du nom à droite, ta marche arrêt, oui, c'est pour juste désactiver le. Ah non,
Je l'ai fait, mais ça fait quoi? Ça a rien fait? Je sais pas, c'était le seul à pouvoir changer ça. Bah, je sais pas, je... Marche, arrêt. J'ai l'impression que ça coupe le texte, mais c'est ça qui est très étrange. Ça change le texte. Module de signalisation. Est-ce que c'est... Bah, il y a l'arrêt, là. Marche. Non, faut regarder si j'avais sur la map. C'est pas ça non plus. Ouais, faut dire qu'il y en a beaucoup, je dis. Je sais pas à quoi sert ce petit bouton. Pas de détails. Quand il faudrait créer une pénurie... Ah, je sais pas comment ça marche, en fait. Est-ce que... On peut bloquer, tu sais, la production d'électricité pour qu'elle passe pas dans l'autre réseau? Oh, ce serait... Non, ce serait trop fort, ça. Je pense pas qu'ils ont fait ça. Ouais, mais du coup, ça servira à rien de les connecter si on fait une... Non, c'est débile. Par contre, les affichages peuvent nous être utiles si on pouvait séparer tous les producteurs d'électricité arrivés jusqu'ici, jusqu'à la base, et voir qu'est-ce que chacun produit, quoi. Sauf que pour... comment ça s'appelle ? La géothermie. Ce serait tellement compliqué, tellement c'est séparé. Mm. On a une centrale à charbon, on a deux centrales de pétrole, bon c'est assez simple, une centrale nucléaire. Mais la géothermie. Faire un circuit spécifique qui traverse le monde. Bah, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que du coup tout est raccordé sur l'autoroute, mais... Et c'est surtout que comme c'est limité, c'est-à-dire que tu... On gère une fois puis après on n'y pense plus. Quoi, c'est... On pourrait s'amuser à faire un début d'un bâtiment de contrôle électrique. Où chacune, chacun des bâtiments, on verrait la consommation de chacun des bâtiments. Ouais, ça peut être intéressant à faire. Et si un jour ils font évoluer, on aura déjà tous les raccords, quoi, on va dire. Bon, par contre, la consommation de ce bâtiment doit être de ouf. Avec le système d'accélérateur. Ok, ça donne des idées, c'est sympa. Donc le petit extincteur, tu disais. Donc ce serait plus pour le côté affichage que pour le côté interrupteur qui serait intéressant. Faut voir si c'est juste une coupure d'un réseau, c'est dommage qu'ils aient pas poussé le truc un peu plus loin. Peut-être que ça va évoluer et puis... Mais quand même, le truc opérationnel, c'est ça que je comprends pas. Opérationnel... Quoi, ça y aurait un... C'est où que tu vois opérationnel? Quand je clique... Vas-y, fais E. Ah oui, ça oui. Pourquoi il y a... Ah, tu veux dire que s'il y a une surconsommation, il va couper, mais ça va pas faire tout sauter? Bah, c'est ça que je me dis, un système de fusible, ça le ressent, mais bon, c'est pas... je sais pas. Bon, on pourra étudier ça quand on commencera la salle, parce qu'on pourra couper des centrales et puis voir ce qui se passe, quoi. Ouais. So. Consommation 12... Attends, bah non, c'est pas logique. Non, c'est le tableau général. C'est la même consommation des deux côtés. J'ai même pas lu, en fait, les chiffres. Bah non, ça sert à rien, en fait. Non, même, tu peux même pas savoir le courant qu'il traverse. Je pensais que c'était ça. Enfin, la puissance qu'il traverse. Mais non, c'est... Il affiche la même chose des deux côtés. Salut, Lorex. Il est bugué. Comment vas-tu? Donc on peut même pas se servir pour savoir la consommation qu'on a dans chacune de nos usines. Sort du truc, ouais. Ça, j'ai l'impression que... T'as un autre affichage? Tu veux que je réessaye? Non. Non, il est bugué, il a freeze mon affichage. Ah, bah après, dans les différents patchs, ils parlent de problèmes. Je pense ça, ouais. Pourquoi ça, ça fait des pics? C'est un poteau, pourquoi ça marche? B, c'est quoi? B, c'est la sortie? Non, B, c'est l'entrée. Ah, ça va, on va bien.
commence découverte de l'update 4 de Satisfactory. Donc, on construit les nouveaux bâtiments pour voir ce qu'ils proposent. Donc bon, on a déjà découvert quelques-uns au niveau des bandes annonces, etc. Mais là, on se pose des questions sur l'interrupteur, si à quoi il sert. Alors, vous voyez deux affichages de puissance, donc j'imaginais qu'il y avait l'entrée et la sortie, peut-être qu'il traversait, mais visiblement non. On se demande à quoi ça sert. Si ça sert à quelque chose, du coup. Ah, qu'est-ce que tu fais? Me dites donc. Calmez-vous. Ok pour ça, bon. Donc j'ai remis les éclairages sur mode nuit, on va voir si ça allume dans pas longtemps d'ailleurs. Il y a vraiment qu'il fait jour.